Les trottoirs sont presque inexistants au Remblai, un quartier de la commune de Makouri. Aménagés et réservés aux piétons, ils sont occupés de manière anarchique par des mécaniciens. Les voitures sont garées en désordre, mais ce n'est pas nous qui sont garés. Les habitants même viennent garer voitures ici même. Quand c'est comme ça, les gens vont voir, ils vont dire que c'est nous. Mais ce n'est pas nous en tout cas. Si nos jeunes frères mécaniciens, hein, ils avaient eu des espaces bien, je pense bien qu'ils vont libérer les voies. Et il y a l'urbanisme aussi, parce que les constructions, elles sont mal construites au Remblai ici. Cette situation crée de nombreux désagréments, notamment des embouteillages, des nuisances sonores et aussi l'odeur de la peinture utilisée par les garagistes qui est à l'origine de plusieurs maladies. Ces mécaniciens travaillent à toute heure de la journée, y compris les midis et les 14 heures. La population ne peut pas se reposer. Les véhicules sur lesquels ils travaillent ne sont pas propres, ils sont sales et ils sont garés devant nos maisons. Nous sommes régulièrement en conflit avec ces mécaniciens. Devant même ma porte ici, est assiégée toute la journée. Et au point même où, à peine je suis en réception, c'est là même on fait des ronflements de moteur pour me gêner. Alors donc là, si on peut remédier vraiment, ça va nous être bénéfique. La mairie soutient que la faute incombe aux deux parties, riverains et garagistes. Des actions sont donc annoncées avec l'appui du ministère de la Construction et de l'Urbanisme pour mettre de l'ordre dans ce quartier.